C'est un très très beau programme qu'on a au sein de la chaîne qui prend en charge les enfants qui ont de façon accidentelle ingéré un élément caustique, la plupart du temps de la soude caustique, faite avec pour fabriquer le savon et certains médicaments et cosmétiques. Et du coup, ce sont des brûlures au niveau de l'œsophage. Et finalement, ces brûlures finissent par faire une sténose et donc ces enfants ne peuvent plus s'alimenter. Étant donné que c'est une affection grave et malheureusement fréquente et par ailleurs évitable chez l'enfant, donc par une bonne prévention c'est évitable, avec une prise en charge qui est assez spécifique, qui est de très très haut niveau, ensemble, l'hôpital Mère-Enfant et la chaîne de l'Espoir avons décidé de travailler sur l'amélioration de la prise en charge des enfants qui ont une brûlure caustique de l'œsophage. Alors la mission à Abidjan qui s'est réalisée depuis le 7 novembre jusqu'au 12 novembre a pu permettre de s'occuper encore d'une douzaine d'enfants. Le premier jour, les consultations sont faites et les décisions sont confirmées ou non confirmées pour certains. Et donc le programme opératoire se fait dès le premier jour pour toute la semaine. C'est donc la main dans la main avec les équipes de la chaîne et l'équipe de la chaîne de l'Espoir, les bénévoles, menés par, en tout cas cette semaine, Christophe Chardot. On a fait venir des enfants ivoiriens, donc qui sont pris en charge par l'équipe locale, et des enfants non ivoiriens qui sont pris en charge par la chaîne de l'Espoir. On les prépare à l'intervention, on les opère ici, et les suites sont assurées, soit en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, soit dans leur pays d'origine par leurs chirurgiens qui les ont accompagnés pour la chirurgie. On en est à la quatrième mission. On opère en général à peu près entre 12 et 15 enfants par mission. Et je crois que là, sur les trois premières missions, on est déjà à une soixantaine d'interventions. En termes d'endoscopie et de traitement endoscopique, ORL ou digestif, il y a peu d'effets secondaires et au prix de plusieurs dilatations successives, on obtient une réouverture de l'œsophage et la chirurgie, elle, a une action plus rapide puisque un seul geste est nécessaire et un geste plus agressif et plus difficile à tolérer par les enfants mais qui permet de reperméabiliser le passage entre la bouche et l'estomac. Non seulement ces enfants sont opérés dans les meilleures conditions, mais en plus, il y a un transfert de compétences qui est fait entre les équipes qui ont été mandatés par la chaîne de l'Espoir, donc les équipes françaises, et les équipes de l'hôpital Mère-Enfant. L'objectif finalement de ce projet, et on voit avec le temps qu'il y a plus de 97% de réussite au niveau des enfants, on voit que le deuxième objectif, bien sûr, c'est, comme vous dites, la formation, le compagnonnage. Et cela s'intègre dans une transmission du savoir à nos collègues ivoiriens, mais également à d'autres chirurgiens de la sous-région de l'Afrique. Et puis, dans un cadre plus large, nous sommes très heureux de ce partenariat avec la chaîne de l'Espoir parce que ça nous permet de continuer à développer les stratégies mises en place dans le projet Hôpital Mère-Enfant. Grâce à un appui constant, grâce à une formation continue, on a un partenaire fiable avec la chaîne de l'Espoir. Il est important de remercier et de vraiment de souligner le très bon échange à la fois personnel et professionnel que nous pouvons établir avec nos collègues ivoiriens et africains au sens plus large, puisque tant sur le plan de l'enseignement que sur le plan de la pratique quotidienne des traitements, tout ceci se fait dans un grand échange intellectuel et également d'amitié, ce qui permet de prendre en charge les enfants au mieux. Si j'ai dit un mot de remerciement, c'est que je serai l'ambassadeur de la chaîne de l'Espoir pour sensibiliser ceux qui sont au Tchad, surtout les enfants. Les enfants et leurs parents, préserver surtout le produit chimique
des enfants, parce que le sort que j'ai subi, je ne veux pas que d'autres enfants en subiront. Donc, je serai l'ambassadeur de la chaîne de l'espoir. Ça, je ne manquerai pas. Mais j'ai qu'un seul mot composé de 5 lettres. Donc, merci à la chaîne de l'espoir. Merci à la chaîne de l'espoir. Grand merci.